Au cours des années 1970, l'armée de l'air décide de se lancer dans un programme d'intercepteurs lourds. Cet avion du futur sera trop coûteux pour les moyens de l'État français, mais de son étude naîtront deux projets. Le Mirage 2000, dont le développement se fera avec un financement public, et le Mirage 4000, avion biréacteur, dont l'étude sera laissée à la charge de l'avionneur Marcel Dassault. Le Mirage 4000 effectuera son premier vol en mars 1979, quasiment un an jour pour jour après le Mirage 2000, dont on connaît la suite de la carrière. Le Mirage 4000 était un appareil réellement extraordinaire. Son concept révolutionnaire et moderne ouvrait déjà la porte à la polyvalence. Hélas, il était surdimensionné pour les besoins français et beaucoup trop cher pour l'armée de l'air qui devra se contenter du Mirage 2000. Mais au moment même où l'armée de l'air se lance à fond dans le programme Mirage 2000, une autre réflexion s'engage sur un futur avion de combat tactique qui devra succéder au Jaguar et ancien Mirage à l'horizon des années 90. L'armée de l'air exprimait le besoin d'un avion de combat offrant une polyvalence élargie et équilibrée qui permettrait de remplacer 7 types d'avions à l'horizon 2000-2010. Le Jaguar, pour les missions d'attaque air-sol et la reconnaissance. Le super-étendard, pour les missions d'attaque au sol effectuées à partir de porte-avions. Le Crusader pour les missions embarquées de couverture aérienne du groupe naval. Le Mirage F1, avion multirôle de bombardement et de reconnaissance. Des Mirages 2000 N et D pour les missions d'attaque de précision et d'interdiction aux moyens d'armes nucléaires ou conventionnelles. Le Mirage 2000C pour les missions de défense aérienne et de sûreté de l'espace aérien. Le Mirage 4, pour les missions nucléaires et les missions de reconnaissance. Deux de ces types d'avions devraient être embarqués à bord de porte-avions, avec toutes les implications résultant de cette capacité de projection de force. Déploiement rapide, autosuffisance en matière de support et contrainte d'espace. Des discussions concernant la définition d'un avion ultra-polyvalent s'étaient ouvertes dès 1978, entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En prenant en compte les besoins énoncés par chaque pays, cet avion devra savoir tout faire. Dès 1980, alors que les négociations au niveau européen se poursuivent, Dassault propose le lancement d'un programme de démonstrateurs purement national qui portera le nom d'ACX. La course ne fait que commencer, mais pour Dassault, que le programme commun aboutisse ou pas, le niveau de compétence de son bureau d'études doit être préservé. En septembre 1982, à l'occasion du salon de Farnborough, les Britanniques présentent une maquette taille réelle de leur propre démonstrateur technologique baptisé ACA pour Agile Combat Aircraft. Le 12 novembre de la même année, Charles Hernu, ministre de la Défense, annonce le lancement du programme d'avions de combat expérimental ACX. La mésentente se profile à l'horizon et en 1985, les chemins vont diverger. Paris quitte alors la table des négociations. La France veut un appareil léger, capable de se poser sur des porte-avions et assez polyvalent pour remplacer à terme tous les avions de l'armée de l'air. Par ailleurs, la France disposait d'industriels jaloux de leurs compétences et qui voulaient rester maître du jeu et de la technologie. La France décide de développer le Rafale. Le 4 juillet 1986, Dassault fait voler le Rafale A, premier démonstrateur.
Propulsé par deux réacteurs General Electric F404, l'avion laisse très rapidement entrevoir son potentiel. Et l'on peut déjà dire que le génie de Dassault éclatera une nouvelle fois au grand jour. Le Rafale sera un avion formidable, promis à une grande carrière. Il sera de ces avions mythiques qui resteront à jamais dans les mémoires. Dans le camp adverse, quatre pays européens s'unissent pour mettre en place le programme Eurofighter. Leurs idées s'appuyaient sur l'exemple américain, commander en plus grand nombre pour réduire le coût. L'Espagne et l'Italie rejoignaient donc l'Allemagne et la Grande-Bretagne dans ce programme. Le pari de faire baisser les coûts grâce à la coopération échouera totalement et cette coopération se montrera souvent contre-productive. L'Eurofighter est, par exemple, le seul avion du monde dont l'aile droite et l'aile gauche ne sont pas fabriquées au même endroit. Les bureaux d'études de Dassault mirent les bouchées doubles. Des moyens informatiques extrêmement modernes et performants furent mis en œuvre pour améliorer l'avion. Celui-ci remplissait pleinement son contrat en validant 5 innovations majeures. Formule aérodynamique, utilisation généralisée de matériaux nouveaux, commande de vol électrique, poste de pilotage révolutionnaire et intégration générale des systèmes. Mais le Rafale A ne reste qu'un démonstrateur et le bureau d'études de Dassault doit encore travailler pour réduire sa taille et sa masse, qui dépasse d'une tonne le poids des avions de série qu'il préfigure. Une cellule d'essai est installée au CEAT de Toulouse. 24 heures sur 24, des vérins torturent littéralement l'avion, simulant plus de 200 vols par jour pour étudier le vieillissement des structures. Ces essais joueront un rôle essentiel dans la maîtrise de la masse de l'avion. Une fois de plus, les ingénieurs de Dassault ont fait les choses bien et vite. Et le 19 mai 1991, le Rafale noir prend l'air avec près de 3 années d'avance sur l'Eurofighter. Le Rafale C01 va pouvoir entamer une série d'essais et déjà, il présente des différences significatives avec le Rafale A. Par exemple, il est dépourvu d'aérofrein, ce qui est une première dans les avions de combat. Le pilote dispose néanmoins d'une fonction aérofrein par une commande qui entraîne automatiquement le positionnement des plans canards à piqué, tout en braquant les ailerons, de façon différentielle. Les ingénieurs ont fait là l'économie de la masse et d'une installation hydraulique spécifique. Les essais en vol vont continuer et la traque aux sophistications inutiles est ouverte. Les solutions les plus simples sont retenues car synonymes de l'allègement de l'avion et réduction des coûts d'acquisition et d'entretien. Les premiers vols se passent sans histoire et l'avion est immédiatement utilisé pour expérimenter le domaine de vol, tester l'interface pilote-avion et surtout valider l'emploi des réacteurs M88. Les capteurs embarqués dans l'avion transmettent en direct, en salle d'écoute, les données qu'ils enregistrent. Les ingénieurs de vol reçoivent et analysent les flux de données ainsi transmis. Le pilote peut ainsi dialoguer avec les ingénieurs et effectuer des opérations spécifiques à la demande. Le M88, développé par Snecma, est un moteur hautement modulaire afin de réduire son entretien. Il bénéficie également des dernières avancées pour réduire la signature magnétique et infrarouge. À
Avec une puissance de 50 kN plein gaz sec et 75 kN avec la réchauffe, il offre un rapport poids-poussé élevé. Comparé à l'ATAR 9K qui offre la même puissance, il est plus court de moitié et plus léger de 45%. La compacité du M88 n'est pas sans intérêt. Elle permet de réduire la taille du Rafale de série par rapport au démonstrateur. La cellule sera plus fine, les entrées d'air plus étroites, donnant à l'avion une silhouette plus compacte et surtout moins de traînée, améliorant ainsi les performances en vol. Au-delà de ses qualités, le M88 est un moteur très économe. Le Rafale C01 effectue sans aucun problème, en configuration lisse, des vols de près de 2h30. Lors de son entrée en service, le M88 doit être déposé et vérifié toutes les 150 heures. En janvier 2001, ce chiffre passera à 500 heures, représentant environ 2 ans d'utilisation opérationnelle. Avec l'étape 4, on passera à plus de 800 heures et à la fin 2005, tous les M88 bénéficieront d'un rétrofit en version E4. Fort de ce résultat spectaculaire, Snecma continue le développement du M88 qui devra donner dans l'avenir toute une famille de moteurs pour avions de combat. L'appareil prend part aux essais d'armement avec les essais de séparation des missiles. Le logiciel CATIA, véritable bijou, permet dans un premier temps de vérifier l'exactitude des calculs en effectuant des simulations qui feront gagner une nouvelle fois un temps précieux. Des essais en vol compléteront ces études et permettront d'optimiser l'emploi des différents armements lorsque l'avion sera opérationnel. Ok, merci. Le check directement en bas. Ouais, ça marche. Directement en bas, tu dis, oui, en haut de la CTM. Face aux besoins de l'aéronaval en matière de remplacement de sa flotte de super-étendards, la Marine nationale envisage un temps de faire l'acquisition de F-18 pour quelque temps. Dassault imposera le Rafale à l'issue d'un nouveau bras de fer, car le danger de voir des avions américains de longues années sur les ponts d'envol des porte-avions français pesait trop lourdement sur l'industrie aéronautique nationale. Après une période de tension, qui n'aura que pour effet de retarder une nouvelle fois son développement, le prototype M01 effectue ses premiers vols et ceci rassure immédiatement. Le Rafale Marine sera un bon avion. Définitivement, on peut dire que le bureau d'études de Dassault fait les choses bien. En effet, les ingénieurs ont abordé le problème dans le bon sens, en partant sur la base d'un Rafale Marine qui sera allégé plus tard pour être en adéquation avec les besoins de l'armée de l'air. Les essais, qui ont commencé en décembre 1991, vont se poursuivre jusqu'en février 1993. Le M01 va effectuer plusieurs campagnes embarquées et même subir une série de catapultages sur une installation terrestre aux États-Unis. De retour de cette campagne, au cours de laquelle il effectuera plus de 24 vols en configuration lisse sans aucun problème, le M01 se posera pour la première fois sur le Foch, piloté pour ce grand événement par Yves Kerhervé. Le catapultage aura lieu le lendemain et sera suivi par une série de 9 catapultages et appontages. Avec 2 avions disponibles, le développement s'accélère et des essais peuvent avoir lieu simultanément en France et aux États-Unis. En 1994, le démonstrateur effectuera son dernier vol en compagnie de 4 autres prototypes. Le programme se déroule normalement et Serge Dassault ne cache pas sa satisfaction de montrer que c'était le bon choix. Nous avons voulu démontrer que le programme Rafale se déroule parfaitement, conformément aux prévisions, et que nos 5 prototypes sont en état de vol. Nous avons aussi fait voler le premier démonstrateur,
dont aujourd'hui c'est le dernier vol, puisqu'il a terminé, si je puis dire, sa carrière de mise au point et d'essai, nos deux Rafales marines et nos deux Rafales air dans le biplace. Donc ces cinq avions sont parfaitement au point et le programme se déroule parfaitement conformément aux prévisions. Nous tenons les délais et nous tenons les performances. Il aura un énorme succès à l'étranger, d'autant plus que dans les années 2000, nous pensons, tel que l'on peut prévoir aujourd'hui, que la concurrence américaine, qui est très forte aujourd'hui, le sera beaucoup moins, étant donné que nous ne voyons aucun concurrent à l'horizon de programme et de notre avion Rafale. Les années qui vont suivre vont voir se multiplier les démonstrations en vol. Toutes les occasions de présenter l'avion seront bonnes et Dassault ne manquera aucune d'entre elles. Toutes les versions seront présentées comme ici au Salon du Bourget. Mais ces efforts ne verront pas se concrétiser assez vite les commandes du gouvernement. De report en report d'une commande française, l'avion se heurte à un mur sur le marché de l'exportation. Son rival, l'Eurofighter, effectue les mêmes campagnes, mais il est servi par un carnet de commandes en meilleure forme. On peut se douter que la vérité est tout autre et que lui aussi est soumis à d'autres contraintes. Malgré la satisfaction affichée des présentateurs en vol, la situation est tendue et la concurrence s'organise. Les Soviétiques viennent en force participer à nos meetings en présentant leurs Sukhoi Su-27 et autres MiG-29 qui, il faut bien le reconnaître, ont de quoi séduire au moins le nombre public par leur forme plutôt agressive et leurs évolutions remarquables. Le 4 décembre 2000, les premiers Rafales M se posent à Landivisio. Pour la marine, c'est un véritable renouveau. Le Rafale dégage une image remarquable, mais doit de nouveau essuyer les plâtres de décisions politiques en faveur des économies. L'étape d'un avion de pré-série va être tout simplement annulée. L'économie financière est appréciable, mais aura l'inconvénient de laisser à la charge des marins le déverminage de l'avion.
Avec beaucoup de philosophie, dans un contexte tendu, les mécaniciens et les pilotes vont faire leur travail avec un très haut niveau de compétence et de motivation. Il s'ensuivra sur un pont et des ateliers parfois encombrés, une utilisation optimale des capacités de base du Rafale. Avec en moyenne 8 avions disponibles sur les 9 embarqués, le Rafale brille par son excellent taux de disponibilité en opération. La mission Héraclès fut un succès, et aujourd'hui encore, le Rafale participe activement en compagnie des super-étendards à faire face à des offensives particulièrement vigoureuses de la part des talibans. Avant d'être en activité dans les escadrons, les avions font un passage au Centre d'expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan. Le lieutenant-colonel Vial nous explique comment intervient le CEAM dans la vie de l'avion. Donc, le rôle du Centre d'expériences aériennes militaires dans l'armée de l'air est donc de définir des consignes d'emploi, des procédures de maintenance concernant tous les appareils nouveaux, les nouveaux matériels qui rentrent en service dans l'armée de l'air. Donc dans un premier temps, nous avons eu des équipes amont qui ont suivi tout le développement du Rafale depuis de longues années auprès d'industriels, en ayant toujours un regard opérationnel sur cet avion, toujours avoir un œil critique opérationnel dans les solutions proposées par l'industriel au futur client qu'est l'armée de l'air. Ensuite, nous avons reçu ici, il y a environ deux ans, les premiers exemplaires du Rafale au titre de l'expérimentation, la prise de compétences, voir concrètement comment utiliser l'avion dans le domaine de la maintenance, dans le domaine du vol opérationnel. Dès l'instant que nous avons acquis une certaine expérience au sein du centre, nous avons commencé la transformation des premiers équipages des forces, en l'occurrence les équipages de l'escadron de chasse 1-7, donc nouvellement opérationnel sur cet avion. Les 20 premiers exemplaires du Rafale sont passés entre nos mains au titre de la maintenance, de la montée en puissance. Mais dès l'instant que nous avions terminé la transformation d'un noyau dur d'une quinzaine de pilotes et de 8 navigateurs sur Rafale, à partir de cet instant-là, l'escadron a été transféré sur Saint-Dizier avec ses appareils. Et c'est une grande première au sein des forces françaises. Nous avons décidé avec la Marine nationale d'expérimenter en commun la version Rafale F2, donc de la version armée de l'air et de la version marine, puisque les marins, à compter de l'été 2007, ils auront une flottille opérationnelle sur cet appareil. L'inauguration officielle de l'arrivée du Rafale dans l'armée de l'air a eu lieu le 27 juin 2006, sur la base de Saint-Dizier, en présence du Premier ministre et du ministre de la Défense. Le 1-7 Provence dispose aujourd'hui d'une vingtaine d'avions opérationnels. L'ensemble du personnel, pilotes et mécaniciens, sont désormais familiarisés avec un avion aux capacités qui ne cessent de les séduire. Le lieutenant-colonel Vincent Chusseau était pilote en échange au sein de la 12e flottille sur la version F1 du Rafale. Il connaît bien l'appareil et confirme qu'il progresse de façon significative. L'arrivée de l'avion dans l'escadron est l'aboutissement pour tous d'une longue période de préparation. Cet avion marque l'avènement de nouveaux concepts en matière de préparation des vols et de maintenance. Dans son emploi au quotidien, le Rafale affiche une simplification des tâches très appréciée, tant pour le pilotage que pour l'aide à la navigation. Le capitaine Gilles Vallée, ancien pilote présentateur de Jaguar, nous présente cet avion véritablement unique. Dans le Rafale, c'est un mini-manche latéral qui bouge pratiquement pas. Une grosse manette des gaz, côté gauche, avec un faible débattement. Ensuite, pour piloter, on a un gros viseur où on a beaucoup d'informations, genre le vecteur vitesse, l'altitude, le cap et diverses informations concernant le tir RR et air-sol. La vision tête moyenne, où il y a toute la situation tactique.
une télévision à droite, une télévision à gauche. Après, en fonction de la phase de vol dans laquelle on est, mais on peut afficher différentes infos. À gauche, notamment tout ce qui est contre-mesure électronique. Et à droite, par exemple, la vision avec l'OSF. Donc à droite, le mini-manche latéral ou le stick avec un petit débattement, comme vous voyez. Là, c'est le débattement max. Ensuite, une dizaine de boutons sur cette manette. Un des boutons principaux, la petite pyramide ici, qui consiste à piloter l'avion quand il est sous pilote automatique. Donc, on donne des petites impulsions haut, bas, droite, gauche. On pilote l'avion comme ça. Les gros boutons ici, c'est essentiellement lié aux différents modes du radar. Pour utiliser le radar en RR, aussi bien qu'en RR qu'en air sol. Pour délivrer l'armement, eh bien, il y a une queue de détente, comme sur tous les avions, qui se trouve derrière. Donc on tire comme un pistolet. Voilà pour la manche. Pour la manette des gaz, voilà une grosse manette des gaz qui est en deux parties. Voilà le débattement max, là, plein gaz sec et après une charge PC. Le petit bouton pour les deux radios, vert et rouge. Les aérofreins. Ici pour bouger la petite proie dans la situation tactique, pour aller désigner des objectifs par exemple. Sur la partie prolongée, eh bien, on change les échelles de la situation tactique. Et après on trouve divers boutons pour régler le radar également. C'est un avion très facile à piloter. Moi qui ai fait du Jaguar, avion en ancienne génération, n'ai pas éprouvé de difficultés particulières. Le fait que ça soit mini-manche latéral, ce n'est pas un souci, on s'y fait très rapidement. En quelques secondes, on a pris l'avion en main. Après, la difficulté, c'est de bien intégrer le système, mais le pilotage pur de l'avion est très très simple. Il n'y a pas de grosses difficultés. Les qualités et les défauts de l'avion. Les qualités, c'est qu'on a toutes les infos dont on a besoin, que ce soit info radar, spectra, enfin la guerre électronique, l'OSF, l'optronique secteur frontal, la liaison de données, tout ça c'est le système Rafale, ça fait beaucoup d'informations. Un pilote de chasse, enfin, son métier, ce n'est pas de piloter. Le pilotage est un outil et le but est de réaliser la mission. Le pilotage, pour nous, c'est transparent, c'est un outil comme un autre. Pour détecter les différentes menaces, dans un premier temps, on a le radar. Ensuite, on a l'OSF, l'optronique secteur frontal. C'est la petite boule qu'on voit sur le net de l'avion. Et il y a une caméra avec une voie infrarouge et une voie télévision. En fait, on voit vraiment en temps réel l'objectif, un avion ou un objectif au sol sur lequel on va désigner des bombes, par exemple. On a aussi la liaison de données avec un AWACS ou un centre de contrôle au sol ou entre chasseurs, entre rafales, on peut s'échanger des informations via liaison 16, les transferts de données. Et on a aussi, pour terminer, Spectra, c'est le système de contre-mesure électronique. Quand un avion nous éclaire, en fait, on va savoir de quel côté vient la menace et on a aussi une bonne estimation de la distance aussi. Voilà les principaux capteurs de cet avion. La grosse différence avec le Jaguar, c'est évidemment la puissance. Donc le Jaguar, bien que c'était un avion fantastique, il était sous-motorisé. Donc là, on a 15 tonnes qui poussent derrière. Et ensuite, les capacités de manœuvrabilité de l'avion. On a vu, c'est un Delta et auquel on a rajouté des canards. Donc l'avion est bien plus manœuvrant qu'un Mirage 1000. Donc voilà la grosse différence avec un Jaguar. C'est très confortable d'avoir de la puissance. C'est sûr qu'on n'en a jamais assez, mais par rapport à un Jaguar, ça change beaucoup la vie, quoi. On est plus confortablement. On a plus d'aisance dans nos missions, quoi.
De même que pour le personnel navigant, l'étendue des possibilités que le Rafale et son système de soutien offrent au personnel technique est énorme. Ce point de vue nous est très bien expliqué par le responsable du soutien du 1-7. C'est un avion qui est tout à fait facile à maintenir, puisqu'il a été conçu pour ça et, depuis le début du programme. Ainsi, pour le Rafale, on travaille avec, selon le principe d'une maintenance selon état. Les avions d'ancienne génération, type Mirage 2000 ou Mirage F1, étaient arrêtés de façon périodique pour être complètement revisités, complètement vérifiés. Sur le Rafale, nous n'avons plus ce genre d'opération de maintenance et donc nous gagnons forcément en disponibilité de l'avion puisque en permanence, les équipements de l'avion sont vérifiés en temps réel et nous ne sommes plus obligés d'arrêter l'avion pour vérifier les équipements. L'intérêt du Rafale, si vous voulez, c'est que autant le concept de maintenance a été étudié dès le début du développement, que cela a été vrai également pour la formation des mécaniciens. L'armée de l'air a profité de l'arrivée du Rafale pour vraiment effectuer une révolution dans les systèmes de formation des jeunes mécaniciens en regroupant certaines spécialités. Aujourd'hui, nous avons trois spécialités au niveau du Rafale, une spécialité vecteur qui s'occupe du dépannage de la cellule et du dépannage du moteur, une spécialité armurier qui s'occupe de tout ce qui est siège éjectable et de l'armement, et une spécialité avionique qui s'occupe vraiment, une grosse spécialité avionique qui s'occupe de tout ce qui est électricité, électronique, capteurs et informatique à bord de l'avion. Le moteur modulaire nous permet évidemment de travailler beaucoup plus vite. C'est le principe du moteur modulaire. On enlève un module, on le remplace par un autre et le moteur redevient disponible tout de suite. Et ensuite, donc, il y a une autre étape, où le module, lui, est réparé, mais le moteur est disponible. Donc finalement, l'avion peut voler. Donc ce concept n'est pas révolutionnaire pour nous. On a déjà commencé à travailler comme ça avec le Mirage 2000. Maintenant, l'intérêt forcément du moteur pour nous mécaniciens en unité opérationnelle, c'est qu'il est beaucoup plus facile à maintenir et à dépanner. Un nombre incroyable d'opérations qui nécessitaient auparavant une dépose du moteur se fait aujourd'hui moteur avionné. Aujourd'hui, on peut changer un calculateur sur le moteur du Rafale avec le moteur avionné. Le plus gros changement pour le moteur, la maintenance du moteur sur le Rafale, c'est l'échange du moteur. L'échange du moteur se fait très rapidement, en moins de 3 heures, le moteur est changé sur Rafale. Comme on facilite le travail des mécaniciens, la conception de l'avion fait également qu'on a moins de matériel à mettre en place autour de l'avion, moins de moyens de soutien à mettre autour de l'avion pour le dépanner, donc c'est d'autant plus rapide. Un avantage également très, très intéressant pour la technique, qui est évidemment tout à fait utile pour les opérationnels, c'est la sécurité centralisée sur l'avion. Aujourd'hui, la sécurité centralisée sur l'avion fait que, en tirant une manette, l'avion est complètement sécurisé. Les pilotes préparent quotidiennement leur mission. Les données de vol sont consignées par le navigateur, par exemple, dans une cassette très complète. Tout est pris en compte. Plan de vol, bibliothèque électronique, situation tactique ou encore pré-réglage des capteurs. La mission, c'est une strike. On a une notion d'organique très restreinte, c'est-à-dire qui se résumera plutôt à de la self-protection, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre strike. Et nous sommes. Le but est de tirer de la 2SM sur la base de Saint-Dizier. À l'issue du briefing, les équipages se préparent et regagnent les avions en étant certains d'effectuer leur mission dans les meilleures conditions. Traditionnelle signature de la forme au bureau piste et direction le parking. Le navigateur remet la cassette au technicien chargé de la préparation de son avion qu'il insère dans le logement pendant que le pilote fait un tour d'avion simplifié du fait de la réduction des paramètres à vérifier. La majorité des sécurités étant automatisées par une commande située en cabine, comme par exemple la sécurisation des emports et des bidons. Le brêlage, lui aussi, est simplifié
par la sécurisation du siège éjectable par le pilote lui-même et la mise en route peut avoir lieu très rapidement. Les moteurs M88 nous font entendre des sons impressionnants dès leur premier tour de fan. Les avions rejoignent le taxiway dans le grondement plutôt mélodieux des réacteurs et s'envolent pour une mission lointaine. L'escadron effectue journellement des missions comme la participation à la permanence opérationnelle, assurant la sûreté du territoire. Malgré quelques soucis de jeunesse, l'avion se montre fiable et sa polyvalence en fait un avion roi. De retour de vol, on remarque que contrairement au Mirage 2000, il n'y a pas d'armurier en bout de piste. La mise en place des broches de sécurité est une tâche qui a été supprimée, car c'est le pilote qui sécurise là encore son avion depuis sa cabine. Celui-ci regagne directement le parking pour être préparé pour la mission suivante. Le modernisme du Rafale nous étonne encore à chaque rencontre. Plein de carburant, vérification des organes extérieurs, l'avion est très rapidement prêt à repartir.
De jour et de nuit, les missions s'enchaînent. Et une sérieuse montée en puissance s'opère, surtout depuis que l'escadron est doté de 20 appareils. Le 1-7 a acquis la capacité à intervenir hors des frontières nationales dans le cadre des opérations extérieures. Mais il est investi d'une autre mission de la plus haute importance, la formation des équipages des deux escadrons devant recevoir les Rafales après lui. La mission peut imposer de procéder à un ravitaillement en vol. Cet exercice ne présente bien entendu aucune difficulté, mais il faut remarquer que la frugalité des réacteurs M88-2 de SNECMA contribue à la réalisation de missions de longue durée. Le Rafale dispose d'une capacité d'emport en carburant de 4 tonnes 700 en interne et de 6 tonnes 800 en externe. La charge externe peut être mise en place sur 5 points d'emport. Dans ces configurations, le Rafale peut effectuer des missions de ravitaillement de type buddy-buddy, là où l'espace aérien n'est pas accessible aux avions citernes. Un Rafale du CEAM effectue sous nos yeux un ravitaillement en compagnie de Mirage 2000. Elle aurait pu me dire qu'il partait au cap. Ouais, ça aurait été pas mal, oui. Ça aurait été pas mal. Le Rafale peut tout à fait participer à des opérations nocturnes. Les équipages s'entraînent là encore le plus possible, mais cet exercice est limité à une sortie hebdomadaire pour réduire les nuisances sonores pour les riverains des bases. Il est là-bas, il va cercler comme ça, donc en gros il est soit au-dessus à gauche, soit au-dessus à droite. Mais il doit pas être bien loin. Il est encore ferme, base level. Ok, 5 nautiques, 5 au tacan, j'ai avec lui. Ouais, attends. Bouge pas, il doit être beaucoup plus loin là. Ouais. Ah bah toi, t'es triphase. Ok, c'est lui. Ouais, c'est bon. C'est confirmé, radar. T'es obligé. Non, c'est pas lui. Le système d'armes du Rafale a été conçu pour permettre l'utilisation sans restriction de tous les armements actuels connus et à venir, quel que soit leur degré de sophistication. Confirme le reading. Avec une masse à vide d'environ 10 tonnes, le Rafale est doté de 14 points d'emport. 5 d'entre eux sont spécialement adaptés aux charges lourdes
et le poids des emports externes peut dépasser 9 tonnes. Le premier et le plus important capteur du Rafale est son radar. L'agilité de son faisceau, grâce au balayage électronique et sa vitesse de calcul, permet en air-air la détection et la poursuite automatique de plusieurs cibles simultanées et à grande vitesse. Il permet l'élaboration en temps réel de cartes 3D pour le suivi de terrain et l'affichage d'une carte 2D pour la navigation avec génération d'images haute définition et détection de cibles terrestres ou maritimes. L'interface homme-machine, unique au monde, combinant le concept main sur manche et manette, s'appuie sur un ensemble d'équipements à haut niveau d'intégration qui permettent au pilote le pilotage tête haute, l'analyse de la situation tactique. L'acquisition et la désignation visuelle rapide de cibles, la gestion des ressources système. La fusion des données multicapteurs permet d'établir un véritable lien entre l'espace global du champ de bataille qui entoure l'avion et le cerveau du pilote, avec sa capacité unique à comprendre les implications d'une situation tactique et à prendre la décision la meilleure. Le dernier-né des avions d'assaut ne se contente pas d'embarquer la gamme la plus large et la plus avancée de capteurs, il en décuple l'efficacité grâce à une technologie radicalement nouvelle. Capable de combiner des missions d'attaque au sol et de combat aérien durant la même sortie, capable d'accomplir simultanément plusieurs tâches telles que le tir air-air à longue distance pendant une phase de pénétration à basse altitude, le Rafale est aujourd'hui un avion hautement opérationnel. Le Rafale n'est plus un avion de démonstration en vol, comme le sont ses principaux rivaux. C'est un avion à la capacité omnirôle élargie, allié à un très haut degré de survivabilité. Thank you.
En service dans l'armée de l'air, le Rafale devrait connaître un succès mérité sur le marché de l'exportation et ses concurrents russes et américains, malgré leurs prouesses, peuvent véritablement redouter le roi du ciel.